C'est pas possible. En fait, le téléphone, je crois qu'il a une maladie, en fait. Le téléphone, il a une maladie, mais vraiment. Mais vraiment. Vraiment. Bon, en fait, le documentaire, ça sera essayage de démarrage moto, mais si ça marche pas, ben c'est fake. On va marquer ça parce que. Mais là, je la sortirai, mais pas lui. Alors, on va essayer sur un, ça ne démarre pas, j'ai pas hésité. Bon, la vidéo, je la tue au moins 5 minutes. Non, là, ça va pas couler. J'ai pas hésité plus parce que. Là, j'ai niqué un moto, quand je vous dis je vais serrer, ça va pas le faire. Ah, puis ça va. Puis j'ai mon frère qui est en bas de temps, je pense. Il voulait venir. Ouais, si je suis droit. Ça démarre pas, j'ai pas insisté parce que. Ouais, j'insiste pas de plus parce que sinon la moto je vais vraiment la niquer, ça va pas de mon jeu là. Elle sort du garage là, il y a 3 jours. Il y a même pas 3 jours même. Elle est arrivée sur off. Oh là, attendez, je sais sur off, mais si elle démarre, c'est qu'il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème corbu, un truc comme ça. Ah, démarre pas. Ah, mais s'il faut, j'ai même pas mis le démarreur. Mais qu'un connard! J'ai même pas mis. En fait, je vais pas tourner la clé. Parce que, comme des fois, je la laisse ouverte et tout, parce qu'en fait, moi, il faut que je le fasse là. Je sais pas comment on fait, parce qu'en fait, vous savez, quand on est devant la clé, il y a le compteur là qui s'affiche ou quoi. Et là, ça le fait pas. En fait. Voilà, je l'ai mis sur rond, je l'ai pas mis en réserve. Vous avez vu la lumière, je sais pas si bien vous l'avez. Je vais vous mettre avant, vous allez la voir la lumière en fait. Moi je suis désolé mais je peux pas faire mieux parce que la moto elle veut pas démarrer. J'ai dit ça à mon père. Vous allez voir le phare s'allumer. S'allumer un peu là. Et bon, je vais vite essayer de la démarrer un peu. Vous avez vu un peu quoi, moi je le vois de là. Je peux la tomber. On va essayer un dernier coup. Et ben pas démarrer, mais bon, je sais pas. Je vais voir la vidéo, moi, c'est pour ça, mais je passe la lumière, vous l'avez vu. Et c'est clair quand même. C'est clair assez quand même. Bon, ben, je pense pas mal sur le jour. Bon, ça me fait chier qu'elle est morte, je sais pas pourquoi, mais bon, je verrai tout ça. Mais non, mais tu me diras si je lui dis à mon père, je vais me faire tuer. Donc, on va rien dire et on va le voir au dernier moment. Ouais. À part si je la descends, mais si je la descends, je la tue la moto. Alors, on va voir un beau fake. Si elle tombe la moto, je la relèverai. Je te souhaite un des jeux avant. Je vais voir si j'ai tout fini. En général, oui. Mais je vais toujours revoir quand même. Si j'ai fini. Ça, c'est fait. Voilà, lui-là, il est bien fait, je trouve. En fait, cette année, la plaquette, elle touche le disque. Bon, je pense pas que ce soit très grave. C'est bon là. L'autre côté. À l'autre côté. Général, c'est bon. Alors, on va la descendre. Bon, regardez bien parce que ça peut être un petit fake. J'espère que la lumière, on l'a bien vu quand même démarrer. Alors, la moto. En
fait, vous voyez, on va enlever ça. Tout ce qui gagne autour, il ne faut pas le mettre. Oui, il est là-bas. Je pense que j'ai tout mis. En fait, c'est simple, vous allez voir. Ça, la moto, elle est simple. Alors, vous avez juste faire ça, à tirer un peu plus. Ah, ça, vous allez voir, ça va être fake. Et ça va descendre avec, mais ça, je m'en bats les couilles en fait. La moto, elle est partie. Vous savez quoi, je vais enlever les freins. Bah, je passe par mon coin, sinon ça va être un fake. Et j'ai pas envie. Pas maintenant, surtout. C'est pas grave, c'est un petit fake, mais c'est pas grave. Ah, je vais regarder si j'ai rien pété quand même. Après, ce sera moi qui remplis, déjà que je suis en bloc en dessous. En bloc, en dessous, je suis en bloc. Je vous le dis. Et on va essayer de la démarrer comme ça, peut-être. Putain, mais en plus, elle est lourde à lever. Parfait. Elle fait 3 tonnes. Là, le cartel. Vous pouvez regarder. Ouais, ça fume toujours. Le truc, il s'est tordu. Posez la moto en fait, si vous voulez, ça fait un pli. Et le truc, il veut plus s'ouvrir. Je vais essayer de prendre un truc. Vous voyez, en bas, ça tient. Ouais. Bon, après, ce truc, il est vieux. Peut-être avec une clé. Pas cette vue, elle durer moins de temps, elle va faire plus de vues. Oh mais ça. Bon ça, vous savez quoi, je vais le remettre là, comme ça sera un peu discret. Et on va essayer de la démarrer la moto comme elle est là. J'essaie de mettre sur ça, mais en fait, vous voyez ce truc là, c'est hyper lourd. Ce truc ça va peser, je sais pas, mais là il va avoir au moins 5 kilos. Mais moi, c'est quand même pas mauvais à lever, mais... Ah mais non, j'ai encore mieux. Je vais le foutre ici. Là, prenez. Vous tirez. Après, là, vous prenez là. Et là, vous posez. Et après, j'ai activé le frein. Et après, je vais faire la vidéo, j'essaie de démarrer la moto et de faire la vidéo là. C'est trop. C'est trop de conneries. Pas comme on l'a pas fait tomber, je vais le foutre là. Ouais, si vous l'appelez un petit mécanicien, c'est pas moi. Je vais me faire engueuler, mais tu vois, elle a très peu dû la tomber, c'est très fait mal et tout. J'espère que là-bas. Ouais, le phare, je vous le montrerai. Puis j'ai bougé le carton. La moto, je vais la mettre comme ça. Je vais essayer de la démarrer. Bon, là, j'espère, parce que je serai dessus, j'ai un peu plus de pression. On est bon.
dû arrêter parce que ma mère va pas t'en arriver, il faut que je mange. Ah ça, je peux vous dire qu'elle fait mon cul vraiment. Il n'y a pas des seins qui coulent. Peut-être j'ai cru qu'il y avait mon père qui arrivait. Là je suis quand même pas déjà allé à voir. Je descends de la moto, j'ai ajouté même. Ça il est quelle heure? Ah il est. Ah ouais déjà. Ah non, je pense que juste avoir. Faites aussi, j'ai un bâtonnet de fourche qui est tordu. Ça me fait chier quoi, pour ne pas démarrer. Oh, peut-être, vous imaginez en mettant la béquille, peut-être? Mais moi, je pense pas. Oh! Oh! Je suppose, Anthony, elle a démarré parce que le compteur, il est. C'est affiché, demain, il s'allume. Il n'y a que les lumières, mais il s'allume pas. Mais il y a pas le compteur qui tourne. Et il était. Alléluia! Voyez, elle fait, elle marche. Voyez la lumière que je vous disais. Voyez là. Ça éclaire quand même un peu. Ah, le capteur ne marche pas. Un petit faisceau débranché. Allez, 2 secondes, hein. C'est bon, le café, il est branché. Oh, il y a un petit problème, hein. Petit problème. Marche, la mobilette. Après, tu prends le marche. La licence, ça tourne. La licence, elle coule, je la vois, là. Elle coule. Elle passe. Avec le taille, j'étais, il bavait un peu. Mais je l'ai changé. On était à la pétrole. Bon, ça va, ça me rassure qu'elle marche. Putain, enfin, on a réussi à la démarrer. Putain, je pense pas qu'on l'a démarré. Tu sais, en fait, j'ai été cher, ça a fait un bruit. Elle a fait un bruit, elle a réussi à démarrer, quoi, un peu. Bon, ça va. Ça me rassure qu'elle a démarré un peu. Il y a des bois, je vais la moto, je vais la ranger, je vais la mettre où il faut. Non, peut-être même la mettre là. Si mon père veut faire un truc, je vais ranger tout ça. Bon, on fait ça ensemble et après j'arrête la vidéo. Ah merde, la selle. Putain, je suis chier. Ben, je sais pas, du coup la moto pour la démarrer elle a un peu de mal et du coup, je sais pas, peut-être comme il y a 5 mois qu'elle a pas démarré à peu près, j'ai peut-être. Eh putain, je vais, bon, de toute façon, il y a le carton du frigo, on va pas le mettre maintenant. La moto, je vais la mettre là, je vais ranger ça, ok. Je sais pas si c'est une merde pour la mettre. Je vais repasser vite fait un coup au pneu. Donc elle démarre, heureusement. Mais non, je vais la démarrer pour faire pour poser. Ah mais ça je le ferai après, ça je le ferai en vidéo parce que sinon je peux pas. Je vais l'envoyer aussi à un pote. Mais vous savez quoi? Alors je fais vite fait, je passe un coup pneu. Bon les pneus ça doit vous. Je sais pas comment ça vous servira parce que. 3 vidéos à, là, la vidéo à 14, 45, 46 même. Et on va pas durer plus longtemps que ça. Parce que là, il y a 3 vidéos, je pense que la vidéo elle dure 1 heure et les 3 vidéos en même temps.
Peut-être que je les passerai pas tous en même temps, je ferai la première à la deuxième, troisième. Et je vais porter peut-être le jour une tout arrêt, peut-être, je sais pas. Désolé si j'en ai, parce que là j'en peux plus. Alors je vous laisse sur ça, bon merci de vous regarder la vidéo. Bon allez, il y a 3 fights qu'il y a eu de vidéos. Plus ça, la caisse là qui est... Oh mais la caisse, vous allez voir, en fait ça c'est l'huile le, du pot. Regardez ça, ça laisse une trace là aussi. Ah non, ça c'est de la graisse en fait. Et bon, vous voyez, donc, du coup, on a rajouté les bouchons de valve devant et derrière. Je vais changer les clignotants, je vous dis ce que je fais et après j'arrête. Changer les clignotants, les durites, bon, les poignées, c'est là, les leviers de frein et l'embrayage. J'attends, pour que je commande un kit déco, mais le kit déco il est personnalisé en fait. Il faut attendre les cale-pieds, je sais pas, je vais commander. Bon, la fourche aussi. Sa fourche elle est tordue en fait, mais là on le voit très mal en fait, je sais pas pourquoi. On va changer, qu'est-ce que je vais changer de plus? Bon, ils mettent les autocollants aux jantes, c'est tout. Ah oui, et aussi finir. Bon, ça je vais le chercher peut-être, mon père il va le chercher après, moi je le rentre, en rentrant je le ferai. Mettre là du bleu, et là ça jaune, bleu. Jaune, bleu, vous voyez, enfin, je vais faire toute la roue à peu près. Bon, ça me fait plaisir qu'elle a démarré quand même. Parce qu'on était mal barré, vous voyez, la 95e coup d'écrit qu'elle a démarré toute seule. Je sais pas chercher plus, vous voyez. Donc, je vous laisse sur la vidéo. J'espère que vous ne voudrez plus, mais bon. La vidéo, moi, je suis pas l'espérance de la vidéo. Fait, je m'achète un cale-pied parce que pour poser le truc du frigo, parce qu'on a acheté un nouveau frigo qui est juste là. Et en fait, pour poser les pieds, c'est une merde, quoi. Tu voyais, la moto, je pense que je m'achèterai un nouveau pro, un ordinateur, montage. Bon, je me paierai ça quand je travaillerai. Et on fera les montages et ça sera pas trop mal, j'espère. Les performances, j'ai fait... Avant, là, vous savez, je vous avais montré un DAX que j'avais ici, là, vers ici, là. Et en fait, je l'ai vendu parce qu'en fait, vous avez acheté la selle. Vous voyez, en fait, je vous ai pas montré la selle. Enfin, si, il te fait peut-être, mais une selle Most en fait. Que j'ai tout recousu. En fait, c'est moi qui l'a fait, c'est moi qui a agrafé, vous voyez, parce que les vrais agrafeurs agrafent pas comme ça. Hein. Je vous dis d'office, enfin, je pense pas. Vous voyez, parce que ça y a des agrafes là, et l'agrafes là, enfin, vous voyez, tout le monde. C'est pas ça, bah, je vais démarrer la moto, prendre une photo, bah demain je vais pas la démarrer et je vais me faire agréer par mon père sinon, je vous laisse. Par le petit avant le feu. Ouais c'est bon. Oui, ça monte après. Bon, bah, je vous laisse, au revoir.